Êtes-vous dans ce marché depuis de nombreuses années déjà? Eh bien, si vous me parlez en famille, on est depuis 120 ans. Et ça ne vous fait pas un peu étrange de devoir partir? Et si. Mais c'est le progrès, ça. Je crois qu'on change de place. Vous serez mieux installé là-bas? Non, pareil. On aura moins de clients. Vous pensez que vos clients ne vous suivront pas? Moins central. Automatiquement, c'est moins central, puisque vous savez, les gens sont forcés de passer. Les gens avec des paniers chargés n'iront pas au Jacobin. Je crois pas. Espérons que si. 42 ans. Là, ne vous fait pas un peu drôle de devoir partir? Ah si, beaucoup même. Est-ce que vous pensez que vous conserverez votre clientèle? Ah c'est ça, je ne sais pas du tout, dites. Vous les avez déjà prévenus? On prévient tout ce qu'on peut prévenir, oui, depuis ce matin. Mais enfin, il y en a beaucoup qui disent, oh, bon, on ira vous trouver là-bas quand même. Vous avez mais, bon espoir. Vous savez... Vous serez mieux installé? Ah, non, ce sera la même chose. Vous êtes installé ici à la République depuis combien de temps? Bah depuis la guerre. Est-ce que cela va vous faire un grand changement d'aller au Jacobin? Bah, nous le pensons parce que la clientèle entre nous a ici un centre bloqué un petit peu sur le centre-ville. Et là-bas, au fond, il n'y a aucun appel de grands magasins. Alors il va falloir que les gens y viennent par plaisir d'avoir de la clientèle sur la place. Est-ce que vous avez déjà eu quelques clients qui vous disaient qu'ils allaient vous suivre là-bas? Oui, il y a des clients qui nous ont dit comme ça, on ira vous voir au Jacobin, parce que là-bas on aura peut-être un parking possible pour mettre les voitures le temps de nos achats, qu'il n'y a pas actuellement place de la République ou rue adjacente. L'un dans l'autre, ça risque de faire équilibrer la balance. Nous on y espère. Maintenant c'est le temps qu'il dira. Hein. Est-ce que vous avez l'habitude de venir ici au marché? Pas beaucoup. Est-ce que vous suivrez les commerçants lorsqu'ils seront au Jacobin? Oh oui, bien sûr. Parce que quand on a l'habitude d'acheter à quelqu'un, on aime bien continuer. Ça ne vous allongera pas trop le chemin? Si, parce que je travaille, je prends le car et je viens ici. Alors je serai obligée d'aller jusqu'au Jacobin. Mais vous êtes tout de même décidée à faire la route? Mais oui, on est fidèles. Toujours? Est-ce que vous suivrez les commerçants? Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Vous êtes bonne cliente du marché? Je pense, oui. Je crois que les commerçants en pensent plein de moi. Quand je ne travaille pas, parce que je pense souvent que je peux venir. Vous irez au Jacobin lorsqu'ils seront installés là-bas? La même chose, vous savez. Vous ne trouvez pas qu'il y aura du changement? Vous savez, la personne qui est habituée à venir au marché, c'est pas parce que ça sera changé de lieu qu'elle n'y viendra pas. Surtout, ça ne fait pas tellement loin, malgré tout. Moi, je dis bien que j'irai la même chose.